Salut à tous et bienvenue dans mon Let's Play de Donkey Kong Country. Alors aujourd'hui, je démarre une partie de Donkey Kong Country qui est l'un des jeux les plus célèbres de la Super Nintendo. Alors il est sorti en 94, donc ça nous rajeunit pas. Mais alors bon, c'est vrai que moi j'y joue assez souvent, c'est un de mes jeux préférés, donc je le connais par cœur, enfin je le connaissais par cœur. On va voir si j'ai encore des bons souvenirs. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est que la réserve de bananes de Donkey Kong a disparu. Voilà, donc c'est le drame. Donkey Kong Country, c'est un jeu de la grande époque de Rareware. Il avait vraiment marqué l'histoire de la Super Nintendo. Parce que c'était déjà graphiquement, c'était assez avancé techniquement. Il y a des effets 3D. On voit que le fond il défile avec plusieurs niveaux de profondeur différents. Donc c'était le célèbre mode 7. Bon, et puis ensuite, dans ce jeu, il y a des musiques incroyables. Il y a une ambiance. Enfin, c'est extraordinaire. Bon, j'ai raté une vie là, mais c'est pas grave. Alors je vais essayer de finir le jeu à 100%. Comme je connais assez bien, je devrais y arriver sans trop de problèmes. Mais comme je discute en même temps, je risque de me déconcentrer. Enfin, c'est pas grave. Oups, voilà, il suffisait de le dire. Alors, on peut rien faire avec ça? Voilà, je sais plus. Donc j'ai déjà perdu Didi parce que j'ai fait n'importe quoi. Ce qui est rigolo dans ce niveau, c'est qu'on peut le traverser presque entièrement en restant au-dessus des palmiers. Et ça me permet d'obtenir des vies. Alors, on va essayer de pas mourir tout de suite quand même. Voilà. J'ai atteint le tonneau de sauvegarde du milieu de niveau. Je pense que j'ai rien raté en passant par au-dessus des palmiers. Allez, vas-y, Didi. En général, je préfère prendre Didi parce que il est plus maniable. Il saute un peu plus loin. Allez, Rambi, c'est parti. Hop, niveau bonus. Premier bonus du jeu. Donc il y a plein de passages secrets dans ce jeu. Et à chaque fois que vous trouvez un passage secret comme celui-ci, un niveau bonus, vous gagnez éventuellement une récompense. Hop, enfin un deuxième. Et puis surtout, ça vous permet d'augmenter votre pourcentage. C'est-à-dire que dans l'écran des sauvegardes, il vous indique à combien de pourcents vous en êtes du jeu. Et si vous trouvez tout, vous pouvez aller jusqu'à 100, 101% en fait. Parce qu'il y a un niveau, il y a un bonus qui est vraiment caché. Normalement c'est 100%, mais quand on trouve le bonus caché, eh bien on arrive à 101%. Mais ça, ce serait... Le bonus caché, il est beaucoup plus loin dans le jeu. Alors là, j'ai terminé le premier niveau. Jungle, Jaja. Et il y a un point d'exclamation, ça veut dire que j'ai trouvé tous les bonus. Allez, on continue. Yann Follies. Oula. Bon, ce niveau-là, il est un petit peu dans le même style que le précédent, puisque c'est toujours la jungle. Il est pas vraiment plus difficile. Quoique, si, il y a des précipices. Si, il est quand même un peu plus difficile. Il y a beaucoup de précipices et de lianes. Et ici, il y a un bonus. Le début du jeu, je connais. Normalement, je dois connaître vraiment à peu près par cœur.
Alors je me suis déjà amusé aussi à faire des speedruns dans ce jeu, c'est-à-dire le finir le plus vite possible. Et à 100, à 101% d'ailleurs. J'ai déjà réussi à le finir en... Je sais plus exactement, quelque chose comme 1h10. Mais j'ai encore jamais réussi à le finir sans... Oula, sans perdre une seule vie. Et j'ai encore fait exprès de tomber. Alors là, le but c'est de savoir dans quel tonneau la vie est apparue en dernier. J'ai pas bien vu. Ah, bon, c'est raté. Alors si vous ratez le niveau bonus, le petit mini-jeu là, c'est pas grave, hein. Vous avez quand même le point d'exclamation à la fin du niveau. Et ça augmente votre pourcentage. De... Oups. KONG, ça fait une vie. Voilà, donc j'ai quand même réussi à avoir le point d'exclamation. Reptile ravageur. Alors là, c'est dans une caverne avec des serpents. Alors, quand il y a un tonneau comme ça, généralement, c'est pas par hasard. Ah, j'ai raté le cas. Je reviens en arrière pour le cas. Ça c'est parce que je suis perfectionniste. Et voilà. Ok, alors vous, je vous aime pas. Ah, je crois qu'il faut garder un des deux tonneaux. Ouais, c'est ça. J'ai déjà deux espadons. Si j'en trouve un troisième, ça me permettra d'aller dans un niveau bonus où on peut trouver plein de bananes, plein de vie, plein de récompenses. Reptile ravageur, terminé! Folie corallienne. Alors ça c'est le premier niveau aquatique. Alors j'avoue que je suis pas fan des niveaux aquatiques. D'ailleurs c'est un peu le cas dans tous les jeux. Mais oups. Mais c'est quand même super joli, surtout pour l'époque. Alors là, j'essaie de jouer à peu près normalement. Je sais pas du tout de faire un speedrun. Parce que de toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et peut-être qu'un peu plus tard, si ça vous intéresse, je pourrais essayer de faire un speedrun en vidéo. Et voilà, Angard, l'espadon. Un autre ici. Et je perds aussitôt. Là, il y a un petit passage secret.
deux autruches. On est plus très loin de la fin déjà. C'est vrai qu'au début du jeu, les niveaux ils sont quand même. Oula, ils sont quand même relativement courts. Ah, j'ai raté le N. C'est pas grave. Canyon du tonneau à canon. Alors ça c'est un niveau dont on peut zapper tout le début en faisant ça. Par contre ici il me semble qu'il y a un bonus, non? Ah oui, il y a un bonus, mais il faut que je saute dans le tonneau. Allez, on est reparti. Ah non, c'est pas là le bonus, c'est beaucoup plus loin. Il n'y a rien du tout là en fait. Il faut continuer. Ah, c'était ici. Voilà, juste avant la sauvegarde, faut revenir. Voilà. La vie. Ok, on continue. Alors après, il y a un petit passage un peu délicat. Enfin, d'abord, il y a un bonus là. C'était pas ça le passage délicat. Ouais, c'est ici. Pour continuer à passer par les raccourcis, il faut sauter sur l'ennemi de gauche. Donc on peut le faire en tuant celui de droite comme je viens de faire. Et après, comme ça. Voilà. Fantastique. Et on zappe pareil toute la deuxième partie du niveau. Ok, on arrive à la sauvegarde. Bah du coup on va pouvoir mettre fin à ce premier épisode. On va aller chez Candy, on va sauvegarder. Bonjour, je suis Candy et c'est mon point de sauvegarde. Lorsque vous voulez enregistrer votre partie, sautez dans mon tonneau tournoyant. Et voilà, 10 minutes 14%. En gros là on a terminé le premier monde. Il reste plus que le boss. Ok, et ben à très bientôt pour le deuxième épisode. Salut!